Danemark a une croissance régulière dans l'économie géorgienne. Autrefois prépondérante dans le développement et l'industrie de l'armement de l'ex-Union soviétique, la Géorgie a ressurgi comme un acteur potentiel majeur de l'industrie militaire mondiale, avec des contrats en Russie, en Turquie, en Allemagne et même... a insisté sur le besoin, surtout dans une telle conjoncture, d'une source fiable de pétrole au Moyen-Orient. Le ministre du Commerce, M. Moore, en visite en Azerbaïdjan ce matin, a souligné l'énorme potentiel que représentent les ressources pétrolières de cette nation. Il a demandé aux investisseurs américains de fournir les fonds nécessaires à l'exploitation. Sur beaucoup de points, c'est un leader d'une époque révolue. Ses convictions sont trop fermement ancrées dans l'orthodoxie géorgienne et ses positions politiques seraient plus en accord avec le début du XXe siècle. Vous lui reprochez donc de ne pas être un bon politicien ? Non, pas du tout. Kombaïn Nikoladze est un excellent politicien. Il a fait des merveilles pour l'économie géorgienne. C'est un tacticien génial. Non, ce serait plutôt une question d'éthique. Et d'un point de vue éthique, alors ? Eh bien, je pense que... Échelon a identifié votre cible d'après les caméras de surveillance de la morgue. C'est un certain Vyacheslav Grinko. Comment je vais le retrouver ? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture ? Son chauffeur y sera. À vous de le faire parler. N'hésitez pas à employer la force. Qui ça ? Moi ? Grims de Tyr vient de sortir les plans du système de sécurité du ministère. La cour est protégée par un réseau de lasers. Bon, j'entrerai pas dans la cour. Ne leur laissez pas le temps de donner l'alerte. On n'a toujours pas l'accord officiel des chefs d'état-major. À la moindre erreur, la mission est annulée. Thank you.
Qu'est-ce que vous voulez? Je vais te poser des questions, et si j'ai l'impression que tu mens, je ferai ça. Ah! Pour qui tu travailles? Vyacheslav Grinko. Parle-moi de lui. C'est un mercenaire, un ancien Spetsnaz. Il travaille pour le président Nikoladze. Où je peux trouver Grinko? Il a rendez-vous avec Mas, dans l'ascenseur, près de la cour. Qui est Mas? Philippe Mas, un informaticien. Il a accès au bureau de Nikoladze. De quoi ils vont parler? J'en sais rien, je vous jure. Mais si Nikoladze a accepté de rencontrer Grinko, c'est que c'est sérieux. J'espère que tu comprends qu'on ne sait jamais parler, toi et moi. Je comprends. Bon. Je veux entendre ce que Grinko et Mas vont se dire dans l'ascenseur. Il faut que je désactive les lasers de la cour pour me mettre en position. Alors faites-le. J'ai besoin d'un colonel ici, et pour franchir un scanner rétinien. Je passe à côté du colonel Kobayashvili pendant ma ronde. Tu veux que je te l'envoie? Ah non, alors. Je peux pas le sentir. On a qu'à en trouver un autre. Eh,
Eh, je croyais que la cuisine était fermée. C'est une commande spéciale du colonel Kobiashvili. Ah, très bien. Je peux ? Je vous en prie. Merci. C'est moi. Il y a un colonel qui s'approche de vous, Fisher. Servez-vous de lui. Vous avez besoin qu'il soit conscient et coopératif pour déverrouiller le scanner rétinien qui protège la porte de la cour. Vous êtes bien renseigné. C'est mon boulot de tout savoir. Thank you.
L'ascenseur est en mouvement. Utilisez le micro-laser, Fisher. On doit absolument entendre ce que Grinko et Mass se disent avant qu'ils arrivent en haut. T'es arraché à la pince ou quoi? On a eu un peu de mal avec la puce de Blaustein. Vous voyez, il reste des fibres de tissu musculaire dessus. Oh, c'est dégueulasse. Si ça vous gêne de vous salir les mains, vous devriez changer de profession. Ce que fait Nikoladze en Azerbaïdjan, ça le regarde, lui et sa conscience. Et vous n'êtes qu'un instrument? C'est vous l'instrument. Moi, j'apporte la technologie et je fais le ménage dans les fichiers informatiques. C'est Nikoladze et vous qui avez du sang sur les mains. Pas moi. Et il est fait? Quoi? Le ménage. En Azerbaïdjan? Oui, mon vieux. L'opération n'a laissé aucune trace. À part les fichiers que Nikoladze insiste pour garder sur son ordinateur. Il faut que vous parliez à cette... On dirait qu'on vient de retrouver les intradermiques. J'aime pas quand les méchants se mettent à discuter chirurgie. Cette conversation est retransmise directement au chef d'état-major. Et il va nous falloir plus de données. L'ordinateur de Nikoladze? Bien vu. Entrez dans son bureau et piratez son ordinateur. Si vous déclenchez des alarmes, ce n'est plus très grave. On entre dans le cadre de la cinquième liberté. Je suis là! Ah!
Quelque chose a bougé. Allumez la lumière!
Qu'est-ce que c'est? La cour de feu! Qui est-ce? Quelqu'un approche. C'est bizarre.
Troupes ennemies! Cette opération repose sur la discrétion. Attention aux alarmes. Qu'est-ce que ça donne? Ça sent mauvais. Continuez à transmettre. Il faut qu'on sache jusqu'où ça va. Qu'est-ce qui se passe? Des cadavres. Des camps de réfugiés. Leur commando opère en Azerbaïdjan depuis des semaines. Comment on a fait pour ne rien voir? Continuez à transmettre. Alerte! Alerte maximale! On a un intrus dans le bureau de Nicolas Zé! Réveillez-vous! Envoyez des hommes à l'intérieur tout de suite! Gringo, trois de mes hommes vont entrer dans le bureau de Nicolas. Radif de la donne.
de Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Ça sent mauvais. Continuez à transmettre. Il faut qu'on sache jusqu'où ça va. Qu'est-ce qui se passe? Des cadavres. Des camps de réfugiés. Leur commando opère en Azerbaïdjan depuis des semaines. Comment on a fait pour ne rien voir? Continuez à transmettre. Alerte! Alerte maximale! On a un intrus dans le bureau de Nicolazé! Réveillez-vous! Envoyez des hommes à l'intérieur tout de suite! Gringo, trois de mes hommes vont entrer dans le bureau de Nicolas. Voyez la donne! Du disque dur de Nicolazé. On envoie tout ça directement au président. Il va nous falloir des preuves en béton si ça doit conduire à une action militaire. Engage le combat. Fischer, on a besoin de tous les fichiers du disque dur de Nicolazé. On envoie tout ça directement au président. Il va nous falloir des preuves en béton si ça doit conduire à une action militaire. Ça y est, c'est fini. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Les chiffres sont hallucinants. Nicolazé a traversé l'Azerbaïdjan en massacrant tout le monde sur son passage. Et on s'est rendu compte de rien. Personne n'a rien vu. Mais qu'est-ce qu'il veut? Vous n'aurez qu'à regarder les infos. Rejoignez Junior Wilkes pour l'extraction. Qui a fait ça? Thank you.
Le bureau de Nicolas T est sécurisé. On va entrer par derrière. Vous êtes cernés. Le bureau de Nicolas T est sécurisé. On va entrer par derrière. Où êtes-vous ? Le bureau de Nicolas T est sécurisé. On va entrer par derrière. Qui est là? Sortez! Où vous en êtes? Pourquoi on n'a pas encore capturé l'intrus? On a des hommes dans l'escalier de derrière? On ne va pas tarder à pénétrer dans l'escalier. Le bureau de Nicolas T est sécurisé. On va entrer par derrière. Où êtes-vous ? Où vous en êtes ? Pourquoi on n'a pas encore capturé l'intrus ? On a des hommes dans l'escalier de derrière ? On va pas tarder à pénétrer dans l'escalier. Qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans, mon vieux ? Lambert a carrément flippé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'on était en guerre !